Nouveau au Robert en Martinique, le restaurant Les Cocotiers. Goûtez à toutes les spécialités créoles et du monde, buffet à volonté, dans un cadre magnifique. Les Cocotiers, quartier Four à Chaux, le Robert, téléphone 0596 51 39 13. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Info et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International, installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergements chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébault à Pointe-à-Pitre, 0 590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Hexagone, actualité. Voilà Babette de Rosière avec nous ici à l'hôtel de ville en conférence de presse pour la 9e édition du Salon de la gastronomie qui va se tenir 26, 27 et 28 février à Paris. Alors quoi de neuf pour cette nouvelle édition, Babette? Ça va être le plus beau salon. Je t'assure que là, j'ai mis la gomme pour que vraiment qu'on voit que les Outre-mer ont du talent, ils ont du goût, ils ont l'art de vivre dans l'âme. Le salon sera vraiment le plus beau, je pense, de tous les salons que j'ai créés. Mais sans oublier quand même qu'il y a l'espace Marmaille, on n'a rien changé à ce niveau-là. Il y a l'espace Marmaille, il y a l'espace chef qui est très copieux avec tous les chefs étoilés qui vont entourer les jeunes qui viennent des Outre-mer, c'est important. C'est une façon de transmettre. Il y aura aussi le recteur d'académie, M. Carrero, qui sera là, accompagné d'élèves où on pourra faire des battles avec lui. C'est une façon aussi de transmettre. Et puis évidemment, on représentera sur le podium d'animation parce qu'on ne peut pas faire la cuisine sans joie de vivre. On va reproduire sur le podium toute la culture de nos 9 territoires. Et pour terminer, il y a un espace conférence cette année où les gens pourront s'exprimer librement, quel que soit le sujet, mais on va mettre en avant quand même la culture créole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la cuisine, la culture créole. Il faut savoir que c'est la Martinique qui sera l'invité d'honneur cette année. Oui, c'est la Martinique qui est l'invité d'honneur, mais j'ai beaucoup trimé pour avoir la Martinique. Parce que je n'ai pas du tout aimé la façon dont ils ont traité ce dossier, parce que moi j'ai mis mon cœur, je suis allée en Martinique au mois de juillet pour leur expliquer, ils ont été élus invités d'honneur, mais ils se sont tous bagarrés, à couteau tiré. Et finalement, j'ai un tout petit stand grâce à M. Salomon qui a persisté. Et ce n'est que le 25 décembre que j'ai eu le bulletin de la Martinique, que j'ai su que la Martinique venait au salon. Là, c'est à pleurer. Quand je vois ça, normalement, la Martinique, tu es invité d'honneur. C'était à toi de montrer la vigueur. Quand ils vont à la Foire de Paris, ils prennent des kilomètres de village. Moi, c'est un petit caca chien qu'on me donne. Parce que pourquoi? Parce que je suis la négresse qui fait le salon? Ah ben non, j'ai compris maintenant la leçon. Et crois-moi, pour la 10e édition, je ferai autrement. Réunion actualité. Pour venir voir une exploitation, ça nous réconforte vraiment beaucoup.
Merci à vous. Je suis Pascal Vell, président de la coopérative. C'est les environs. Au minimum, je pense que c'est 3 mois pour remettre en place. Voilà. Voilà. À la demande du président de la République, je me suis donc rendu depuis ce matin à La Réunion, d'abord pour apporter mon soutien à la population de l'île. Évidemment, ce sont des moments difficiles, très difficiles d'ailleurs. Et vous le savez, il y a eu des personnes qui sont décédées, souvent des personnes isolées, qui ont refusé des hébergements d'urgence. Évidemment, nous pensons à eux et à leurs familles. Je voudrais évidemment saluer la très grande réactivité de l'État, en lien avec les collectivités locales, bien évidemment, singulièrement de M. le Préfet, que je félicite pour sa gestion de crise, avec tous ceux qui ont contribué, les policiers, les gendarmes, les militaires, les sapeurs-pompiers, Météo France, et puis tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont travaillé pendant cette période très particulière pour sauver un maximum de vies. Et je pense que l'action du Préfet ici a permis de sauver beaucoup de vies, vous le savez bien, sur un cyclone qui, dans l'intensité, n'a pas été ici depuis plus de 20 ans. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a des dégâts matériels importants, une rentrée scolaire qu'il faut tenir la semaine prochaine et qui sera tenue, des coupures d'électricité et d'eau qui sont évidemment très embêtants pour le fonctionnement de la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, je constate qu'on est à moins de 100 000 foyers qui ont une coupure d'électricité. Donc je suis venu également avec le responsable d'EDF, mais aussi une très grande partie des équipes que nous avons envoyées dès hier par des vols affrétés avec les sapeurs-pompiers que j'ai renforcés ici pour rétablir totalement l'électricité dans l'île dans les prochains jours. Et puis aussi des coupures d'eau importantes, bien évidemment, qui empêchent la vie quotidienne des habitants, mais aussi, vous le savez bien, la vie économique. Et puis il y a un endroit particulièrement touché ici dans l'île, qui est de la richesse de la Réunion, qui est la production agricole, qui est l'agriculture, avec des agriculteurs très courageux qui vivent déjà difficilement du fruit de leur travail et qui méritent d'être particulièrement accompagnés. C'est pour ça que je suis venu ici, monsieur le maire, dans votre commune, auprès des agriculteurs, pour leur dire qu'on est à leur côté et que les moyens financiers du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer sera débloqué très rapidement, puisque nous avons convoqué vendredi dans l'Hexagone l'état de catastrophe naturelle, la réunion des ministères qui va dans une procédure très simplifiée et qui sera la demande expresse de monsieur le préfet, permettre de pouvoir déclencher des dédommagements très importants pour les particuliers comme pour les entreprises, comme pour les agriculteurs, mais également bien sûr créer le régime assurantiel, puisqu'il y a aussi une partie des assurances qui doit faire leur travail puisque l'État fait le sien. Alors ce sera extrêmement rapide, hein, puisque 24 heures après le cyclone, me voici sur place. Nous avons convoqué pour vendredi, donc c'est vraiment extrêmement rapide, puisqu'il faut regarder les cartes de Météo France, avoir le retour de M. le Préfet, constater des dégâts, ce qui est en train d'être fait. Et donc une fois que l'état de catastrophe naturelle vendredi est publié, nous allons pouvoir, dès la semaine prochaine, faire des accompagnements extrêmement concrets. Et je reviendrai, comme je l'ai dit, en proposant à M. le ministre de l'Agriculture de m'accompagner pour que nous puissions être attentifs aux conséquences, au plus long terme, des calamités agricoles que nous connaissons, puisqu'on voit bien que la saisonnalité, c'est dans 6 mois, 1 an, si je regarde les bananes par exemple, qui sont derrière nous, c'est pas avant 1 an que les agriculteurs retrouveront à peu près une production normale. Donc ce sera le plus rapide possible, donc dès vendredi, c'est une question de jours et de semaines d'accompagnement de trésorerie, c'est pour ça que j'ai demandé également à M. le préfet de Lille de pouvoir réunir les banques, qui doivent aussi jouer leur jeu, évidemment, au soutien économique, mais c'est évidemment de l'argent frais qui sera débloqué très rapidement pour l'ensemble des acteurs économiques. Alors tous les fonds possibles seront débloqués, on va faire une réunion, on a déjà fait une première réunion à l'aéroport ce matin avec M. le préfet, j'aurai un dîner de travail tout à l'heure avant de repartir à Paris, évidemment tous les moyens du ministère des Outre-mer, de l'ensemble du gouvernement est à disposition, le président de la République a donné des consignes extrêmement claires. L'évaluation des dégâts n'est pas encore complète. Il y a aussi des zones que nous n'arrivons pas totalement à joindre. Le président de la Chambre d'agriculture évoquait le fait qu'il n'arrivait pas à contacter l'intégralité des agriculteurs, hein, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 30% encore des antennes relais, par exemple, qui ne fonctionnent pas dans l'île. Donc je pense que dans 48 heures, c'est-à-dire à peu près au moment de la réunion de l'état de catastrophe naturelle, nous aurons l'intégralité, donc l'évaluation des dégâts. Écoutez, le préfet fera un point complet lorsqu'il aura l'intégralité, évidemment, des conséquences humaines sur l'île. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit, pour celles que nous connaissons, de personnes qui étaient très isolées,
très isolées géographiquement et très isolées aussi socialement et qui ont refusé pour certaines d'entre elles des hébergements d'urgence et qui n'ont pas respecté les consignes de vigilance orange puis violet du préfet qui consistait évidemment à ne pas sortir, à rester confiné. Et donc pour l'instant, de ce que nous évaluons, mais il y aura évidemment des enquêtes qui seront faites bien évidemment, des gens qui n'ont pas respecté les consignes de sécurité. Moi, je constate évidemment que ces consignes de sécurité très strictes, avec un grand renfort de communication, notamment le système FR Alert sur vos téléphones, que nous avons créé au ministère de l'Intérieur au lendemain du drame de Lubrizol. Hein. Donc ça, je pense que c'est une réussite de sécurité civile qui est à mettre au crédit du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, a permis de sauver énormément de vies. Et il fallait évidemment respecter ces consignes. J'ai remercié M. le préfet de l'avoir bien rappelé. Je veux aussi saluer le courage des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers qui, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, sont allés sauver des personnes ou parfois ou procéder ou accompagner des accouchements qui permettaient évidemment pendant cette période de pouvoir sauver un maximum de vies. Le préfet aura l'occasion de revenir sur cela et évidemment ces personnes seront distinguées. Le souci de l'État, du ministre, des préfets, c'est l'intérêt général, au-delà des intérêts particuliers. Et le préfet a très bien agi en ayant peut-être une position qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui a sauvé des vies et qui a notamment sauvé la vie de nos sapeurs-pompiers, de nos policiers, de nos gendarmes qui meurent en intervention, qui sont aussi des pères et des mères de famille comme les autres. Ça n'a pas empêché que ici ou là, dans des situations exceptionnelles, pendant d'ailleurs cette période violette, le préfet n'ait pas accordé des secours. Je pense notamment à une personne qui était bloquée dans un ascenseur et pour lequel les pompiers sont intervenus à la demande du préfet malgré cette séquence où on ne pouvait pas sortir. Donc il y a eu évidemment des secours aux personnes. Mais ça n'avait aucun intérêt de protéger des biens pour risquer la vie de femmes et d'hommes qui sont des pompiers, des policiers, des gendarmes. Donc il faut savoir que pendant ces quelques heures, d'abord la communication a permis aux gens de ne pas sortir, parce que c'est souvent par imprudence et aussi par manque de respect des consignes de sécurité que moi je préside malheureusement des enterrements de policiers, de gendarmes, de pompiers, parce que les personnes ne respectent pas les règles. Et donc le préfet a eu parfaitement raison de le faire. Je pense d'ailleurs que tout le monde le souligne, ici à l'île de la Réunion, comme à Paris, vraiment l'incroyable gestion de cette crise. Il suffit de regarder les territoires qui sont autour de l'île de la Réunion pour voir que l'État français a été au rendez-vous. Le système d'aide locale, hein, je sais que la région, le département peuvent y contribuer, mais national jouera à plein et il n'y aura pas de conséquences pour les Réunionnais. J'ai dit que je revenais dans quelques jours, peut-être au début du mois de février. Je proposerai au ministre de l'Agriculture de m'accompagner pour qu'on puisse non seulement voir arriver les aides, mais évidemment regarder le fait qu'il n'y ait pas de conséquences entre l'offre et la demande, du fait qu'il y ait moins de produits qui soient produits ici ou des importations de produits qui ne seraient pas de qualité pour les Réunionnais. Donc nous ferons ce travail après cyclone, si j'ose dire, qui permettra aux habitants de ne pas subir des calamités déjà très importantes. Merci beaucoup. Difficile de ne pas être solidaire quand on voit tout ça. Effectivement. Ouais. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Laurent, je te fasse un direct là. Hein ? Je te fasse un direct. Vas-y, viens de m'appeler. Ah oui, mettre Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. On accueille cet après-midi une cohorte de 15 collègues d'EDF qui viennent de Corse et qui viennent nous apporter leur soutien pour réélémenter l'électricité à La Réunion. Et puis demain, on accueillera une cinquantaine de collègues qui viennent de Métropole, d'Enedis, qui viendront également nous apporter leur soutien. On a, après le cyclone, 150 000 foyers à La Réunion qui étaient privés d'électricité, soit le tiers à peu près. Nous avons beaucoup de réseaux moyenne tension, les routes nationales de l'électricité qui sont fortement endommagées et qu'il faut qu'on réalimente en priorité. C'est le travail des prochains jours et ces ressources qui viennent nous aider seront vraiment essentielles pour pouvoir réalimenter au plus vite le service public de l'électricité partout sur l'île de la Réunion. Alors, l'est de la Réunion a été particulièrement impacté. Les régions de Saint-Benoît, Sainte-Rose, en priorité. C'est sur ces zones-là qu'on va mettre notre attention. Et puis également, les coupures d'électricité qui concernent l'alimentation en eau potable. Et donc là également, ce sont des clients prioritaires
que nous allons réalimenter le plus vite possible. Il faut que les Réunionnaises et les Réunionnais soient patients. C'est des gros chantiers, c'est beaucoup de travail. Les hommes et les femmes d'EDF sont vraiment mobilisés pour remettre le service public au plus vite. Ils ont besoin de travailler en toute sécurité et en toute sérénité. Et on espère avoir le soutien de toute la population dans ce gros chantier qui s'ouvre aujourd'hui. On espère pouvoir remettre en service les lignes principales, donc ces routes nationales de l'électricité, ce réseau 15 000 volts, en quelques jours, voire début de semaine prochaine au plus tard. Il restera beaucoup de petites pannes individuelles qui prendront peut-être plus de temps. Donc il faudra que les Réunionnaises et les Réunionnais soient patients. On va mettre le maximum de moyens sur les gros réseaux pour alimenter des milliers de clients. Il restera peut-être encore quelques pannes qui seront plus difficiles à réparer. Ouais. Hexagone, actualité. La parole est à Monsieur le Président Riemann pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est aujourd'hui abonné absent. Mais nous ne lui en tiendrons pas rigueur car il se trouve aux côtés de nos compatriotes réunionnais qui ont à se remettre de la violence du cyclone Bilal. Nous leur adressons nos pensées, nos solidarités, notre fraternité. Tiens bon l'ACPA. Quant à l'audace, cette fameuse audace que le Président de la République nous présente comme la ligne directrice de cette nouvelle ère macronienne, elle est décrédibilisée d'entrée de jeu car peu courageuse et encore moins téméraire. L'audace, la vraie, aurait été de rétablir un ministère de plein exercice dédié à tout ce qui constitue les singularités qui font nos territoires transocéaniques. Pourtant, les nombreuses et diverses questions ultramarines restent aux côtés du logement, de la santé et des transports sur le banc de touche. Pas un mot pour les Outre-mer lors de l'allocution d'Emmanuel Macron. Mais l'attentisme n'a-t-il pas toujours été le modus operandi du gouvernement précédent? Je m'adresse directement à vous, Monsieur le Premier ministre. Où en sommes-nous? Vous êtes censé incarner le renouveau. Or, depuis 7 ans, disons-le franchement, la question des Outre-mer n'a jamais été abordée, sauf sous l'angle de la réaction. Réaction aux problèmes migratoires, aux problèmes sécuritaires, aux catastrophes naturelles, aux pénuries d'eau, aux mouvements sociaux, aux interpellations d'exécutifs locaux. Je vous donne ici l'occasion de présenter un semblant de feuille de route pour les Outre-mer. Pas pour les intérêts économiques, ni pour leurs vertus géostratégiques. Pas pour leur conseiller de faire bouillir de l'eau avant de la boire, mais pour la valorisation de leur diversité culturelle, humaine, linguistique, pour la reconnaissance de leur rôle central dans la préservation de la biodiversité, pour l'épanouissement de leur population, pour les dissuader de voter Le Pen en 2027 par dégoût de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la Macronie. Je vous donne ici l'occasion, Monsieur le Premier ministre, de ne plus être en réaction, mais dans l'action. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit lors de votre nomination que vous ameniez l'éducation avec vous à Matignon. Ma question est simple. Comptez-vous, et ce serait là une première depuis 7 ans, amener les Outre-mer à Matignon? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président David Riemann. Vous n'êtes pas président de groupe, mais je tenais à vous répondre personnellement. Parce que le sujet que vous abordez est absolument majeur. Et oui, je le dis, au cœur de la feuille de route que je présenterai devant vous le 30 janvier et de l'action que je compte conduire en tant que Premier ministre de la France avec mon gouvernement. J'ai eu l'occasion ces dernières années d'occuper différentes fonctions gouvernementales en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, porte-parole du gouvernement, ministre des Comptes publics et de l'Éducation nationale. À chaque fois, j'ai eu l'opportunité et la chance de travailler avec nos territoires ultramarins sur tous ces enjeux. Et je le dis, je suis lucide à la fois sur les immenses défis, et vous l'avez rappelé, qui sont devant nous pour ces territoires, vous l'avez indiqué, en matière de logement, en matière sociale, en matière d'emploi, de mobilité, de sécurité, d'immigration aussi, en matière environnementale, mais conscient et lucide aussi de la chance extraordinaire que constituent les territoires ultramarins pour notre pays, en matière de jeunesse, en matière d'innovation, de créativité, en matière de souveraineté, en matière de biodiversité. Et moi, je le dis de manière très claire, oui, il faut être aux côtés de nos territoires ultramarins lorsque surviennent des drames, des crises, vous l'avez rappelé, et c'est à ce titre que mon ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en ce moment même à La Réunion aux côtés des victimes du cyclone. Mais il faut aussi, et vous avez totalement raison de le dire, être dans la prospective, investir positivement sur tous les potentiels de nos territoires ultramarins. Nous avons par ailleurs un certain nombre d'échéances majeures devant nous. Vous le savez, le président de la République avait annoncé il y a quelques mois la préparation d'une grande loi sur Mayotte et nous allons y travailler.
De la même manière, nous avons des textes institutionnels importants sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui nous rassembleront ici dans cet hémicycle. Et je sais qu'en Guyane, qu'aux Antilles, qu'à La Réunion, qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna, dans tous nos territoires ultramarins, il y a des défis et des enjeux sur lesquels nous devons investir ensemble. Donc très concrètement, je recevrai aussi vite que possible la délégation aux Outre-mer que vous présidez. Je réunirai dans les tout prochains mois un comité interministériel aux Outre-mer, un CIOM, pour avancer sur tous ces sujets-là. Et je me rendrai aussi vite que possible dans nos territoires ultramarins. Et j'espère que vous me ferez l'honneur de m'accompagner dans ce déplacement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le rendez-vous est pris. Sachez quand même qu'il y a des urgences et des scandales à régler sur nos territoires au risque de fractures irréversibles. Je vous remercie. Guadeloupe, actualité. Et en fait, cette aventure, je dirais, a commencé de façon très anecdotique à l'occasion des 10 ans d'Isanaja. Donc j'en ai parlé à mon époux et associé Jackie Adonis en lui disant ça serait bien qu'on fasse quelque chose d'original pour les 10 ans de l'entreprise. Et il réfléchit, il me dit on fait une croisière. Je lui ai dit mais non, on va pas parler aux chefs d'entreprise ou à nos prestataires ou à nos fournisseurs ou partenaires de croisière, ils vont nous rire au nez. Ce qui n'a pas manqué d'être le cas d'ailleurs. Mais donc il m'explique, en fait, souvent les chefs d'entreprise partent en mission et leurs familles ne peuvent pas les accompagner, ne savent pas comment ça se passe, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir allier une aventure familiale et une aventure professionnelle. Donc on réfléchit là-dessus et on sort la Caribbean Business Cruise parce qu'on se rend compte premièrement qu'on a un marché à côté de chez nous qui offre plein d'opportunités, qu'il est très difficile paradoxalement d'y accéder parce que par avion ça prend beaucoup de temps, c'est cher, voilà. Et on se dit, mais voilà, la croisière efface toutes ces difficultés. On prend le bateau à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre, on fait différentes escales. À nous de faire en sorte que ça se transforme en mission de prospection et séminaire d'affaires. Donc, à bord, nous avons des débriefings, des tables rondes, des conférences, et puis du networking professionnel. Et à chaque escale, ça a été la difficulté. Nous descendons du paquebot et nous allons à la rencontre de l'écosystème local. Donc, nous sommes reçus aussi bien par les représentants du gouvernement que par les chambres consulaires, les banques, les fédérations professionnelles, les entrepreneurs, parce qu'on match avant, là je suis en train de travailler dessus, on fait matcher les secteurs d'activité que nous avons à bord, on informe nos correspondants, chambres de commerce, ambassades, chambres consulaires, que nous aurons tel secteur et ils invitent, ils font passer l'information pour qu'il y ait des correspondants, soit fournisseurs, soit clients, soit partenaires potentiels pour ceux qui seront à bord. Donc l'objectif, si je comprends, c'est de créer des connexions entre les îles pour les marchés, vraiment d'avoir plus de liens entre la Guadeloupe, enfin Guadeloupe-Martinique et les îles environnantes de la Caraïbe. Tout à fait. On se rend compte qu'il y a du business qu'il est possible de faire. On a plusieurs paramètres. On part du principe que la langue est une barrière. Et souvent, on oublie que nous utilisons aussi le créole à la Dominique, à Sainte-Lucie et souvent dans d'autres îles. Donc voilà, c'est un paramètre dont il faut tenir compte. On se dit que ce sont des petits marchés, donc il n'y a rien à faire. Ou alors, ils ont une main-d'œuvre beaucoup moins chère ou des matières premières moins chères. Et là encore, on se rend compte qu'il faut mettre un bémol parce que nous avons, du savoir-faire, nous avons des compétences, nous avons de l'ingénierie et nous avons des produits de niche qu'ils n'ont pas forcément. Et donc, il est possible, en le voulant, de pouvoir trouver des débouchés dans la Caraïbe. Alors, comme je le disais, la difficulté, c'est surtout le transport, plus que la langue, arriver à faire partir des produits de chez nous pour aller à Sainte-Lucie, à Barbade ou à Antigua, c'est moins compliqué. Mais voilà, donc il y a déjà cette difficulté. Et trouver les bons créneaux, les bons produits qui seront les bienvenus dans la Caraïbe, sachant qu'on a aussi l'opportunité de rapatrier des produits de chez eux. Donc ça se concrétise vraiment par des contrats, des marchés concrets. En fait, je veux dire, il y a un vrai business qui se fait entre ces îles et les gens qui sont à bord de cette croisière. Alors, nous avons eu la première étape
2019-2020. Nous sommes rentrés de mémoire le 16 février. Tout a été bloqué par le Covid une semaine après. Et là, ça a tout cassé, en fait. Les deux années que nous avions, sur lesquelles nous avions commencé à travailler et à optimiser, tout a été remis en cause par les deux années d'arrêt. Qui ont été imposés par le Covid. Là, nous avons repris en 2023. Ça a été laborieux parce que beaucoup de nos entreprises, jusqu'à présent d'ailleurs, sont en difficulté. Il ne faut pas se voiler la face. Et nous avons eu de très bons contacts. Nous avons eu des entrepreneurs très importants de la Guadeloupe qui sont venus avec nous, qui ont apprécié le côté qualitatif des relations. Nous avons du business qui s'est mis en place. Là, c'est en train de se faire. Sachant que l'avantage en plus sur la Caraïbe, c'est que ça nous ouvre des portes aussi sur d'autres continents, notamment sur l'Afrique, parce que la Caraïbe est très liée avec l'Afrique. Donc nous avons des partenariats qui sont en train de se réaliser là, qui vont être élargis avec la deuxième édition. Je souhaiterais apporter une précision dont je me suis rendu compte, c'est que nous avons parfois des opportunités qui nous sont données de faire du business. Et on ne va pas jusqu'au bout. Là, je viens en début de semaine avec Samuel que nous avions rencontré à Saint-Vincent, qui est installé au Canada, donc qui fait du business entre les îles de la Caraïbe et le Canada. Et il me dit qu'il a eu notamment deux entrepreneurs, qu'ils ont fait deux, trois visios et après plus de nouvelles. C'est dû à quoi alors ? Alors, lui-même ne sait pas. Il me dit peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu plus complexe, que voilà, c'est ça, c'est là où aussi je dis qu'il faut faire attention parce que quand on a en face de nous des gens qui sont prêts à faire du business parce qu'on a des produits qui les intéressent, l'année dernière, nous avions des produits biodégradables qui ont fait le buzz sur la Caraïbe. Nous avions des insecticides à base de produits naturels qui ont aussi beaucoup intéressé. Nous avions un chef de la Martinique pour des formations. Là, on m'a relancé en me disant, mais il faut qu'elle nous rappelle parce qu'on a un institut de formation qui est intéressé. On avait aussi un institut, l'ASFO, qui était avec nous. Donc il y a des possibilités de faire des choses, mais il ne faut pas faire marche arrière à la moindre difficulté. Qu'est-ce qui manque en fait qui permettra justement de surmonter ces difficultés et c'est quoi le défi majeur pour nous en tant que Guadeloupéens ou Martiniquais puisque... Je pense, après expérience, que nous devons nous impliquer davantage, aller davantage vers le faire ensemble. Et ne pas avoir peur d'aller vers ces marchés. Certes, j'accompagne aussi des entreprises sur le grand export, ce qu'on appelle le grand export, donc le Japon, la Pologne, etc. Mais je pense qu'il y a des liens à mettre en place. On fait beaucoup de démarches. La région a fait des démarches en intégrant l'OSCS, par exemple, qui fonctionne avec nous, qui nous permet d'avoir des relations avec les entrepreneurs de la Caraïbe. Mais il faut vraiment qu'on essaie d'avoir davantage l'esprit d'entreprise. Mais est-ce que ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait plus d'accompagnement aussi des entrepreneurs qui participent à ce genre d'événements ou de formations? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour les inciter à entreprendre et vraiment créer des liens dans la Caraïbe en fait? Peut-être l'information. Alors c'est vrai, je dois préciser que par contre il y a une option régionale que je conseille à mes participants et je les aide d'ailleurs à la mettre en place. Il y a une aide régionale à l'internationalisation qui est proposée par la région. Et ça, depuis l'année dernière, j'incite les participants à demander cette aide qui leur permet d'amortir un peu le déplacement. Et oui, dans ce sens-là, c'est intéressant d'avoir cette option. Oui, il faudra attendre qu'il y ait en Guadeloupe un salon caribéen organisé par Anansa. Mais ça serait très bien. Oui. On avait eu une année la CNBT qui était venue avec nous en 2019 ou en 2020, je ne me rappelle plus, parce qu'ils avaient justement l'objectif de réaliser un salon agroalimentaire caribéen. Oui. Donc ça s'est passé, mais là encore, le Covid... La CCI travaille beaucoup avec la Caraïbe, il me semble. Oui, aussi. La CCI travaille pas mal avec la Caraïbe, tout à fait. Donc voilà. Mais moi, je suis en contact avec les CCI de la Caraïbe pour la CBC, mais pas forcément de retour de la CCI Guadeloupe pour la CBC. Je travaille plus avec la CCI de Martinique. Oui.
pour l'accueil, pour les échanges, etc. En tout cas, ce que je dis, c'est qu'il y a, nous avons des entrepreneurs avec nous depuis 2019, que je tiens à remercier, qu'on a surnommé les pionniers, parce qu'ils sont là dès le début, qui sont présents et qui se sont réinscrits là à cette édition. Et c'est vrai que nous avons des partenaires aussi, Whistle, qui est une jeune start-up qui fait des ateliers à bord de design thinking. Nous avons Caribart, qui est une jeune entreprise aussi, qui se développe énormément, notamment sur l'international, qui travaille d'ailleurs avec le Canada, qui a permis à la CBC d'avoir d'autres options. Elle est plus sur les manifestations digitales, donc vraiment des choses très intéressantes. Nous avons Corsair qui nous accompagne, qui a permis à un chef d'entreprise de gagner un billet avion pour aller signer des contrats à Paris. Nous avons qui encore ? L'UDE MEDEF aussi a bien compris l'intérêt de cette manifestation, donc qui communique aussi dans les réseaux d'entrepreneurs pour permettre que l'information passe. Donc, et puis bien sûr MSC et puis Maître Beaujour que je remercie, qui est le parrain de la CBC et qui accompagne aussi les entrepreneurs qui le souhaitent. Et c'est vraiment, comment dire, mon Dieu, faudrait vraiment juste qu'on arrive à comprendre. Nous, ça fait quoi, 15 ans, ça fait combien de temps qu'on discute de ça, Danick ? La CBC, c'est depuis 2019, mais depuis nous, le début, qu'on arrive à comprendre que si on ne fait pas ensemble, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est important. Et c'est le message qu'on fait passer. La meilleure question, le départ, c'est quand ? 25 février, donc il reste encore des places, sachant que le bateau se remplit vite, puisque nous ne sommes pas les seuls à bord. Donc du 25 février au 3 mars, départ de la Martinique le 24 février. Et donc nous faisons la Dominique, Sainte-Martine, Saint-Kitts, Antigua, qui nous attend aussi beaucoup avec des thématiques, notamment sur le transport, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on soit aussi proche et qu'on n'échange pas davantage. Et puis Saint-Kitts et la Martinique pour terminer. Donc, modalité d'inscription, c'est encore possible de s'inscrire. Absolument, absolument. Numéro de téléphone, éventuellement. 06 90 40 82 12 ou par mail contact@isanaja-consulting.com. O News Radio sur outremernews.fr.